Salut tout le monde! C'est bon, le diff est refait. Le truc qu'on va faire dans cette vidéo, c'est remonter le train arrière. Donc, on va passer en timelapse. On va remonter ça tranquillement. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I want a way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Arrière-monté. Voilà. J'ai dû virer. Hop, je sais pas si on va bien le voir. J'ai dû virer la barre stab. C'est pareil là, la biellette qui est ici, là. Là, cette biellette. Sur la tour, je l'ai mis au plus bas. Bon. Si je dois changer, je changerai. D'ailleurs, je me fais un petit pense-bête. J'ai les écrous là qui sont pas serrés. Par contre, si tu veux faire la modif, il va te falloir des petits machins comme ça, des clés Allen comme ça, pour la vis qui est ici, là. Donc tu vas pas la voir, mais il y a une vis qui est ici, là. Et en fait, il n'y a pas moyen, tu vois, avec le tournevis, tu vois, t'es tout tordu et tout, il n'y a pas moyen de passer. Donc, il va te falloir ça. Il va te faire des petits jeux comme ça. T'as vu, sur toutes les vidéos d'unboxing, j'ai toujours dit ça, c'est de la merde, nanani, nanana. Bah écoute, heureusement que je l'ai eu parce que bah sinon j'aurais pas pu serrer ici, quoi. Donc voilà. Donc c'était le petit détail qui tue, mais si t'as envie de faire la modif, au moins tu seras au courant qu'il te faudra une petite clé Allen comme ça. Voilà pour le train arrière. Je pense qu'on va arrêter là la vidéo. On va juste regarder comment ça passe avec. Voilà, c'est cool, hein. Ça passe bien. Après, je sais pas trop comment je vais faire mes supports de carrosserie. Mais on peut même le mettre comme ça en fait. Bon, on verra bien de toute façon. On verra bien. Mais ça passe bien, là on est bien dans l'axe, et là on est aussi bien dans l'axe, quoi. Donc que ce soit à l'avant ou à l'arrière, on est bien comme il faut. Là, c'est pile poil la taille qu'il fallait, quoi. Génial. Je suis vraiment bien content. Voilà, donc voilà. On s'arrête pour cette vidéo, donc je pense que le timelapse, il a dû être très court. Ça a dû faire peut-être 2 minutes ou 3 minutes, pas plus. Donc ça va faire des vidéos très courtes. Mais c'est pas grave parce que ça m'arrange moi pour faire mes montages. Enfin, c'est même pas pour faire les montages que ça m'arrange, c'est surtout pour pouvoir les diffuser sur YouTube. En ce moment, je galère avec ma connexion internet, donc plus les vidéos sont courtes, et mieux c'est pour moi actuellement. Donc je te dis à bientôt, et puis n'oublie pas de t'abonner, de liker, de mettre des commentaires, et puis salut! Ciao.